Pourquoi je vote? Parce que c'est la France. Et parce que par rapport à ce que disent les étrangers aussi. C'est-à-dire? On dit la France aux Français, c'est normal. Et pourquoi les étrangers disent, mettons, on dit la France aux Arabes? Est-ce que c'est normal ça? Moi, le thème de l'immigration surgit dès la première question. Si j'allais à l'étranger, et très vite, ce sympathisant nous parle de sa peur de l'étranger. On le respecte. C'est quoi l'étranger pour vous? Quel est l'étranger qui vous fait peur finalement? Je crois que l'étranger, l'étranger qui me fait peur, soit les Arabes, beaucoup, les Arabes. Et qu'est-ce qui vous font peur? Ils sont français. Bah oui, très honnêtement, il y a une bonne partie des gens qui sont arabes français. Mais je crois qu'on doit garder sa nationalité. Moi je suis français, je serais jamais chinois ou arabe. Pour moi, même un arabe, il doit rester arabe, nationalité arabe, même s'il habite en France. On ne change pas sa mère. Vous voulez bien boire un coup avec moi quand même, non? Une confusion entre nationalité, langue, culture et des propos qui mettent mal à l'aise Franck Briffaut. Il tente de mettre fin à l'interview. Ça vous pose un problème? Ah ben, ça pose un problème. Allez, vous êtes dans un piège depuis tout à l'heure, vous ne sentez pas venir. Le FN voudrait faire oublier cette image qui lui colle à la flamme. Difficile, quand une partie de son électorat a l'obsession d'une France sans mixité.